Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, Pam, c'est Dr. Mil Saint-Dume. Je dis à moi, ça, moi content pour me porter cette vidéo ça pour nous. Et dans la vidéo ça, moi, je voulais dire chaque monde en général, bon combat durant l'année 2021 ça. Et nous sommes capables de gagner en pile santé, en pile la joie et que tout rêve nous capables de réaliser durant l'année ça. Et maintenant, des bons dieux capables de bénir nous, protéger nous, pour nous capables toujours venir supporter nous sur Chanel ça. Et en même temps, moi pas voulais aller pour moi pas quitter un petit pensée pour nous et porter une petite information sur santé qui est extrêmement important. Pas oublier dans la vie, pas gain bonheur sans difficulté, ou besoin gain volonté, détermination et puis courage. Courage mes amis, courage. Et dans vidéo ça, moi vinn di nou sin k'ap montre que ou gen infection vaginale. Premier signe qui montre que vous avez une infection vaginale, c'est gratté. Et deuxième signe, c'est les vagins enflés et puis les rouges. Et troisième signe, écoulement blanche, douleur les ou fait sexe. Ça nous a dit pour faire, c'est checker gynécologue pour ba ou médicament qui nécessaire parce que ou besoin connaître qui type de bactéries qui ba ou infection ça pour capable traiter selon type de bactéries. Ou gen hygiène nan ki pral très important et gen an pil zanmi tout ki remen fait remède naturel yo et tout remède naturel yo vraiment aidé yo ki vraiment efficace. Jan mwen di nou an, gen plusieurs types ki bay infection vaginale. Nou gen bactéries, nou gen champignons et puis nou gen virus tout des fois. Tankou nou pran médicament ça. Ki c'est ketoconazole. Ki c'est yon médicament ki la pou champignons. Si que vous l'achetez sans que ou pas vérifier que c'est un champignon qui ba ou infection vaginale ou c'est quoi vous fait, ça veut dire nous gagne médicament ça qui c'est Sulfaplex qui c'est un antibactéricide, c'est lui même qui bon pour bactéries. Ça veut dire si son bactérie qui bon infection non, ou supposé pour un médicament qui traite bactéries, si c'est un champignon gagne ou supposé pour un médicament pour champignon, c'est ça qui fait l'important pour nous connaître qui type de bactéries ou bien infections nous gagnons pour nous capables traiter selon façon ça. Nous gagnons plusieurs médicaments qui présentés là, c'est que c'est on nous gagnons ketoconazole, li vini en crème, li gagne un shampoing là-dedans, li gagne savon. Ça va dépendre de côté ou gagnons infection ou moins, yo capable ba ou yon prescription dépend des types là. Parce que ketoconazole là n'est pas bon seulement pour infection vaginale, il est bon pour l'autre type de ongou son monde capable. Tant qu'on nous gagne plusieurs médicaments. C'est ça moi te voulais montrer dans la vidéo ça. Qui vient sous présenter qui sous plusieurs formes qui capable alléviez ou bien qui capable améliorer nous selon les symptômes qui présentent. Parce que leur yon infection vaginale, on s'en tout capable gagner un pile gratter, j'aime te dire, ou capable gagner un mauvais sang dans vagin en tout. Et il capable irriter, ça veut dire tout autant gratter, il vient plus irriter et puis il vient enfler et comme ça il vient rouge. C'est ça fait l'important, mesdames, depuis nous gagner infection vaginale, ouais, gynécologue nous pour nous capable prendre médicament pour nous capable faire un bon traitement. Infection vaginale, c'est une infection, nous devons prendre pile précaution ensemble avec lui. Si vous avez un mari ou une infection vaginale, mari ou supposé prendre un médicament ensemble avec vous. Parce que c'est quoi vous avez fait si vous avez une infection vaginale et pour toujours dans une relation sexuelle, et puis pareil, vous n'avez pas pris un médicament, et bien la retourner encore. C'est ça qui fait l'important pour nous toujours mettre l'accent sur ça, mesdames. Pas oublier, sur Chanel, ça m'a porté une pile belle vidéo pour nous. Seule façon capable d'aider, c'est partager la vidéo. Et inviter en famille, inviter aux amis, venez ouais, ça qui gagne, docteur Mil Saint-Dume. Ciao!